بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre al-Wajih, c'est Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait entamé le livre des nourritures, Kitab al-At'imah. On avait dit que la base dans la nourriture était l'autorisation, et que toutes les nourritures et toutes les boissons sont licites à la base jusqu'à la preuve du contraire. Et on a cité les versets à ce sujet, et également les versets qui mettent en garde contre le fait de se prononcer dans l'interdiction d'une chose, dans son autorisation, sans en avoir une preuve dans le Coran, soit dans le Coran ou soit dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, et que c'était proférer un mensonge contre Allah le fait d'interdire ce qu'il a autorisé ou bien d'autoriser ce qu'il a interdit. Ensuite, on a traité le sujet ou le chapitre de ce qui nous est interdit à la consommation, les nourritures qui nous est interdit de consommer. Et on a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite qu'il a expliqué de façon précise et explicite les choses qu'il nous a interdites subhanahu wa ta'ala. Et on avait vu que Allah azza wa jal a décrit les choses interdites, car comparées aux choses autorisées, elles sont beaucoup moins nombreuses, donc plus facilement citable. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran, comme ceci est cité dans le verset 3 de Sourate Al-Ma'idah. On avait vu le verset, Allah azza wa jalla a dit: Hurrimat alaykum al-maytah wad-damu wa lahmu al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allahi bih wal-munkhaniqah wal-mawqudah wal-mutaraddiyah wan-natihah wa ma akala as-sab' illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusub. Donc vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, celle qui est étouffée, ou al-mawquda, celle qui est morte, ou al-mutaraddiya, donc la bête étouffée, celle qui est morte lors d'une chute, celle qui est morte, al-mutaraddiya, celle qui est morte d'une chute, al-natiha, celle qui est morte d'un coup de corne qui s'est battu avec une autre bête, wama akala sabur, et celle qui a été dévorée par une bête féroce, illa ma dhakaytum, sauf celle que vous avez égorgée. Et également vous sont interdites les bêtes qui sont égorgées sur les pierres dressées, et de faire le partage par un tirage au sort au moyen de flèches. Tout ceci est perversité. Tout ceci est perversité. Et on avait expliqué chacune de ces catégories. La bête morte, qu'est-ce qu'on avait dit sur la bête morte? C'était celle qui est morte contre son gré, c'est-à-dire soit elle est morte de mort naturelle, ou soit elle a été tuée par une autre bête. Ou bien également entre dans la bête morte celle qui a été tuée d'une façon illicite.
soit celle qui n'a pas été égorgée, ou soit celle qui a été égorgée mais dans laquelle le nom d'Allah n'a pas été cité. Waddam, le sang, on avait dit que c'était quel sang qui était interdit? Celui qui gicle lors de l'égorgement. Waddam wa lahmul khinzir, la chair de porc, wa ma uhilla li ghayrillah bi, c'est la bête qui a été sacrifiée pour autre qu'Allah. Wa al-munkhaniqa, la bête étouffée. La bête étouffée, on avait dit que c'était une bête soit qui était accrochée ou manie à une corde au cou, et en essayant de partir, s'est étouffée. On avait dit c'est celle également qui s'est coincée la tête entre deux arbres. Il y a également al-mawquda, c'est celle qui est frappée, assommée, c'est-à-dire celle qui est morte à la suite de violents coups. Wa al-mutaraddiya. Al-mutaraddiya, c'est celle qui tombe d'une chute, celle qui a chuté d'une montagne ou autre. Wa al-natiha, c'est celle qui a été tuée par une autre bête, d'un coup de corne ou autre. Wa ma akala as-sab', et celles qui ont été dévorées par les bêtes féroces, illa ma dhakaytum, sauf celles que vous avez égorgées, c'est-à-dire avant qu'elles ne meurent. Et on avait dit que ceci valait pour quelle catégorie de bêtes? Le fait de l'égorger avant qu'elle ne meure? Pour la dernière. Non? Pour la dernière. Pour la dernière, celle qui a été dévorée. Celle qui a été dévorée par ça. Non. Il n'y a que elle. C'est la dernière en fait. Non. Il l'a majaqué, donc, sauf celle que vous avez égorgée, c'est-à-dire avant qu'elle ne meure. Mais ici, Allah Azzawajal parle de quelle bête? Toutes les catégories qu'on a citées avant. Toutes les catégories qu'on a citées avant? Sauf le poids. À partir de Al-Munkhaniqa, à partir de celle qui est étouffée. Donc il y a celle qui est étouffée, celle qui est battue, celle qui a subi une chute, celle qui a subi des blessures d'une autre bête, et celle qui a été dévorée. Donc toutes ces bêtes-là, lorsqu'on arrive à les égorger avant qu'elles ne meurent, il nous est autorisé de les consommer. Mais si on n'arrive pas à l'égorger avant qu'elle ne meure, alors elles sont considérées comme des bêtes mortes qui nous sont interdites à la consommation. Et on avait vu la semaine dernière les signes qui nous permettent de reconnaître qu'une bête est vivante ou pas lorsqu'on l'égorge. Qu'est-ce qu'on avait dit? Quand elle bouge. Alors, la plupart des savants considèrent que c'est lorsqu'elle bouge. Et d'autres savants ont dit... Il y a trois catégories. Il y a trois signes. Quand on l'égorge, le sang gicle, il faut que le sang soit chaud et rouge vif. Et ça, c'est ce que Cheikh Al-Islam Taymiyyah a dit, que l'on reconnaît une bête vivante lorsqu'on l'égorge, parce que lorsqu'on l'égorge, le sang gicle, car une bête morte, le sang ne gicle plus, car le cœur ne bat plus. Il faut que le sang soit chaud, car une bête qui est morte, son sang n'est plus chaud, et plus elle meurt, elle n'est plus le temps après lequel elle est morte avance, et plus le sang refroidit. Et également que c'est un sang qui doit être rouge vif, car une bête morte, son sang commence à noircir. Ensuite, tout ce qui a été égorgé sur des pierres dressées, on avait dit que c'était les statues. Les statues, et ça peut entre aussi les tombeaux. Toutes les bêtes qui ont été égorgées sur des statues ou autres, il est interdit de les consommer, même si elles ont été égorgées et le nom d'Allah prononcé. Pourquoi? Car une bête qui est égorgée sur une statue, c'est une offrande pour cette statue, même si la personne prononce le nom d'Allah, mais le fait est que cette bête n'a pas été vouée pour Allah Azza wa Jalla. C'est un sacrifice qui a été fait pour cette statue ou pour cette tombe. Wa an tastaqsimu bil ajlam, et l'interdiction du partage avec les flèches, on avait expliqué cela, que c'était un moyen qu'utilisaient les polythéistes pour faire une chose ou ne pas la faire. Et Allah Azza wa Jalla dit également ne mangez pas ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Donc également parmi les bêtes interdites à la consommation, ce sont celles qui ont été sacrifiées et que le nom d'Allah Azza wa Jalla n'a pas été prononcé.
Et également, il est interdit de consommer la viande qui a été chassée alors que la personne est en état de d'ihram, est en état de sacralisation. Ensuite, on avait vu que ceux qui avaient le même jugement que la bête morte, c'était... Qu'est-ce que le même jugement que la bête morte? Ma qut'a min al-bahima, ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est encore vivante. Cette partie coupée est considérée comme une bête morte, comme l'a dit le professeur sallam, ma qut'a min al-bahimati wa hiya hayya, ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante, fahuwa mayta, c'est une bête morte, c'est-à-dire elle nous est interdite à la consommation. Ensuite, on avait vu qu'il y avait des exceptions à ceci, qu'il était excepté parmi les bêtes mortes le poisson et le criquet, et parmi les sangs qui nous sont interdits, il y a deux exceptions qui sont le foie et la rate. Ensuite, on avait parlé de l'interdiction de consommer la viande de d'âne domestique, et qu'il était autorisé de consommer la viande d'âne sauvage. Et on a cité le hadith où les compagnons de l'Anoum, lorsque le professeur sallam a reçu la révélation d'Allah pour interdire la consommation de la viande d'âne domestique, les compagnons ont tous versé les marmites dans lesquelles cuisait la viande. Ensuite, l'interdiction également de consommer tout animal qui a des crocs et des cerfs. Tout animal qui a des crocs et tout oiseau qui a des cerfs. Qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet? Non? C'est des crocs, des... Quand l'animal il chasse avec ses crocs, il n'a pas le droit à la consommation. Non, ce sont les crocs que l'animal utilise pour chasser. Et les cerfs, c'est les cerfs des oiseaux. En fait. Non, c'est les griffes. C'est les griffes. Donc, car tous les oiseaux, ou beaucoup d'oiseaux ont des cerfs, mais ne les utilise pas pour chasser. On avait donné l'exemple de la poule. La poule est un animal qui a des griffes, mais est-ce qu'elle utilise ses griffes pour chasser? Non. Donc, tout ce qui a des crocs parmi les bêtes féroces, comme le lion, la panthère, l'ours, etc., il est interdit de le consommer. Entre également dedans le chien et le chat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de consommer le chien et le chat? Non. Bien sûr. Également parmi les oiseaux, c'est-à-dire ceux qui utilisent leur cerf pour chasser, comme l'aigle, comme le faucon, etc. Et certains savants ont donné une explication, une sagesse de pourquoi est-ce que il est interdit de consommer la viande des bêtes féroces qui utilisent leurs crocs pour chasser. On avait dit ça la semaine dernière ou pas? Car ils disent que le fait de consommer cette viande, la personne va être imprégnée par cet animal. Le fait de consommer la viande de cet animal, au fur et à mesure, la personne va être imprégnée de l'aspect sauvage. De l'aspect sauvage de cette bête. Ensuite, on a parlé de Al-Jallala. Qu'est-ce que le Jallala? L'animal qui mange. C'est l'animal dont la majorité ou la plus grande partie de sa nourriture est impureté et souillure. Celle-ci, également, il est interdit à la fois de consommer sa viande, de... de boire son lait et de monter et de la prendre comme une monture et de la prendre comme une monture. On avait cité les hadiths du professeur sallam où naha an luhum il jallalati wa albaniha, le professeur sallam a interdit la viande de jallala et son lait également, et dans le hadith d'Abdullah ibn Omar également où le professeur sallam a interdit le jallala parmi les chamelles de les prendre comme monture ou de boire leur lait. Donc tout ceci est interdit. Quand est-ce que Al-Jallala devient licite? Lorsqu'on la met en quarantaine et qu'on lui donne à manger de choses saines. À partir de ce moment,
il est autorisé de manger, de l'égorger et de la manger, en étant sûr, bien sûr, que son corps et sa viande ne sont plus imprégnés par ses souillures. Et on avait cité la parole d'Abdullah ibn Omar, ou l'athar d'Abdullah ibn Omar, qui mettait en quarantaine la poule qui avait consommé des choses impures 3 jours. Falafan. Et on avait dit que ceci était propre à la poule, et que plus l'animal est grand, et plus la période s'allonge. Et puis la période s'allonge. طيب يقول المؤلف إباحة كل ما حرم من عند الاضطرار قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم قال ابن كثير رحمه الله أي فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى لضرورة ألجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له وفي المسند وصحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يكره أن تؤتى معصيته ولهذا قال الفقهاء قد يكون تناول الميتة واجبا في بعض الأحيان وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها قد يكون مندوبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا بحسب الأحوال واختلفوا هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق أو له أن يشبع أو يشبع ويتزود على أقوال كما هو مقرر في كتاب الأحكام قال وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه 3 أيام لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم بل متى اضطر إلى ذلك جاز له انتهى نوك L'auteur dit l'autorisation ibahatu kulli ma hurima 'inda al-ittirar, l'autorisation de tout ce qui est interdit lorsque la personne y est contraint. Lorsque la personne y est contraint. Allah Azza wa Jalla dit il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois en abuser ni agresser. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc Allah Azza wa Jalla dit, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché pour celui qui est contraint, c'est-à-dire celui qui se trouve dans un cas extrême, dans un cas de force majeure. Il n'y a pas de péché pour lui à faire, à commettre ou à consommer des choses interdites. Et il faut bien différencier les deux situations qui sont le besoin et le cas de force majeure. Ce sont deux choses différentes. Le cas de force majeure, c'est une situation extrême dans laquelle tu te situes, dans lequel tu n'as pas le choix. Tu es obligé de faire cette chose, sinon tu meurs. Ou sinon il t'arrive quelque chose de très grave. Là, ce sont des cas d'extrême urgence, des cas de force majeure. Quant à la nécessité c'est un plus. C'est-à-dire, tu as besoin de cette chose, mais si tu ne l'as pas, est-ce qu'il va t'arriver quelque chose ? Non. Tu vas peut-être être pris d'une faim qui va être grande, mais en aucun cas tu seras en danger. Ni en danger de maladie, ni en danger de mort. Donc ceci est un cas de nécessité. Et beaucoup, à notre époque, trompent les musulmans en utilisant cette règle à mauvais escient. En disant aux gens,
Ad-darura tubihul mahdurat. Les cas de force majeure autorisent les choses interdites. Oui, c'est vrai. Mais ce sont des cas de force majeure. Il ne faut pas faire croire aux musulmans que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et que c'est important pour eux, alors ils ont le droit de désobéir à Allah Azza wa Jalla. Non. C'est lorsque cette chose est un cas de force majeure. Lorsque la personne met sa vie ou la vie de sa famille en péril. Lorsque la personne s'expose à un danger grave. Dans ce cas, oui, il a le droit de faire des choses interdites. Il ne faut pas oublier que cette règle est restreinte, à savoir que الضرورة تقدر بقدرها, c'est-à-dire que tu ne dois utiliser ou user de ces choses interdites que ce qui te suffit pour éloigner le danger. Tu dois utiliser de ce cas de force majeure ce qui te suffit pour éloigner le danger. Et on donne souvent l'exemple de celui qui est dans un désert et qui n'a plus de nourriture, qui est donc en danger de mort, et qui trouve une bête morte sur son chemin. Est-ce qu'il a le droit de la consommer? Oui, il a le droit de la consommer. Est-ce qu'il a le droit de manger la bête entièrement? Non. Hein? Il mange que ce qu'il a besoin. Il mange que ce dont il a besoin. D'accord. Il trouve une bête morte, il mange. Il mange 2-3 bouchées, 4-5. Il voit que la faim diminue et qu'il peut encore vivre 2-3 jours. Mais il sait que s'il continue son chemin, il ne va rien trouver d'autre. Et que déjà, d'avoir trouvé une bête morte, c'est déjà un miracle. Est-ce que là, on lui dit « mange jusqu'à que tu aies rassasié » Ou alors, est-ce qu'on lui dit « mange ce qui te suffit » et puis « prends » des provisions de cette bête morte. Le deuxième cas. Les savants autorisent à cette personne de manger jusqu'à être rassasié, voire même de se goinfrer. Voire même de se goinfrer, car il risque de ne pas trouver autre chose, il y a aussi un autre cas, c'est si cette bête morte est en train de se décomposer, par exemple, ou est en train de pourrir, et que le seul moment ou le seul jour dans lequel il pourra manger, c'est aujourd'hui. Demain, c'est plus la peine. D'accord ? Donc là, on lui dit, mange autant que tu peux, essaie de prendre plus de provisions que tu peux, et rassasie-toi autant que possible, car tu es dans une situation où tu ne sais pas ce qui va se passer demain. D'accord ? Mais si c'est quelque chose qui peut se conserver, alors dans ce cas, mange ce qui te permet de survivre, et prends des provisions, et mange ces provisions selon la situation qui vient et selon tes besoins à venir. D'accord ? Il se peut que le lendemain, alhamdoulilah, tu trouves quelqu'un sur ta route et que les provisions que tu as prises, tu n'as même plus besoin de les consommer. Donc, la porte, la personne qui est en cas de force majeure a le droit de faire des choses interdites, mais il n'a pas le quartier libre. Il n'a pas le quartier libre et il doit prendre ce qui lui suffit. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit « sans toutefois abuser ni agresser ». Sans toutefois abuser, « ghayra barin », c'est-à-dire sans dépasser les limites. C'est-à-dire de manger ce qui te suffit pour survivre. « Wala barin ala ghayra barin wala adin ». Ghayra barin, les savants ont dit « ghayra barin », c'est sans abuser. Et il y a beaucoup d'explications de la parole « barin ». De la parole « barin » chez les savants. « Barin », l'avis le plus sûr, alors « alam », c'est que c'est celui qui mange sans vouloir. C'est-à-dire que il n'aime pas la chose qu'il mange. D'accord ? Il la mange tout en la détestant, tout en sachant que c'est quelque chose d'interdit. Il ne faut pas qu'il dise, par exemple, qu'il se trouve dans un cas de force majeure et qu'il n'a d'autre chose à consommer que le porc. Et se dire,
Et bien aujourd'hui, c'est le jour où je vais enfin pouvoir me régaler en toute légalité. Là, on lui dit non. Là, on lui dit, si tu manges dans cette intention-là, tu n'as pas le droit de manger. Car il ne faut pas que tu veuilles cela. C'est quelque chose que tu fais, car tu n'as pas le choix. D'accord ? Et tu dois détester cette chose, même si tu la consommes, et de savoir que c'est l'interdit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala adin, c'est-à-dire sans dépasser les limites. Sans dépasser les limites. Puis Allah Azza wa Jalla a dit dans notre verset, et si quelqu'un est contraint par la faim sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur. Faman al-turra fi makhmasatin. Sans inclinaison vers le péché. Et fi makhmasa explique, comme les savants le disent, ghayra barin. Ghayra barin, c'est-à-dire sans aimer cette chose. Non, sans prendre plaisir et sans aimer cette chose et sans savourer le fait de la consommer. Tu savoures parce que tu survis, mais tu ne dois pas aimer cette chose en elle-même. غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit en expliquant ce verset, hey, c'est-à-dire celui qui a besoin de manger des choses parmi ces choses interdites qu'Allah a citées, et ceci par un cas de force majeure qui lui est arrivé, alors il a le droit de le consommer. Et Allah est pardonneur et miséricordieux envers lui. Et également car Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur du besoin de son serviteur en cas de force majeure et de sa dépendance envers ceci. C'est-à-dire que lorsque tu te trouves en danger de mort, tu es dépendant de la nourriture interdite qui est devant toi, s'il n'y a que cette nourriture interdite. Allah Azza wa Jal lui pardonnera donc et sera clément envers lui. Et il est rapporté dans le Musnad et dans le Sahih de l'imam Ibn Hibban, selon Abdullah Ibn Umar, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime que l'on utilise ces dérogations comme il déteste que l'on fasse ces interdits. Allah Azza wa Jal aime que tu utilises ces dérogations, car Allah Azza wa Jal a donné des dérogations à celui qui est en cas de force majeure. Allah Azza wa Jal lui a permis de faire des choses interdites, et dans ces situations-là, Allah Azza wa Jal aime que ses serviteurs usent de ces dérogations. Allah Azza wa Jal aime de la même façon qu'il déteste que ses serviteurs lui désobéissent. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants qui considèrent que le voyageur, il lui est obligatoire de raccourcir les prières, ils utilisent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Car c'est une dérogation d'Allah Azza wa Jal et il faut l'utiliser. Car Allah Azza wa Jal aime qu'on utilise les dérogations qu'il a données à ses serviteurs comme il déteste que l'on fasse ses interdits. Puis le même Ibn Kathir a dit « وَلِهَذَا » Et c'est pour cela que les juristes ont dit « قَدْ يَكُونُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ وَاجِبًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ » Le fait de consommer la bête morte peut être obligatoire dans certains cas. Et ceci, lorsque la personne a peur pour sa vie et qu'elle ne trouve rien d'autre. Et le fait de consommer peut être aussi recommandé, sans être obligatoire. Il peut être également autorisé, et ceci en fonction des différentes situations. Et ils ont divergé, sur le fait, est-ce qu'il est autorisé ou est-ce que la personne qui se trouve dans cette situation de force majeure doit consommer ce qui lui suffit pour se maintenir en vie, ou bien a-t-il et lui est-il autorisé de se rassasier, ou bien de se rassasier et de prendre des provisions. Il y a différents avis des savants. كما هو مقرر
fi kitab al-ahkam, comme ceci est cité dans les livres de fiqh. Qala, l'imam al-Kathir a dit, wa laysa min shurut jawaz tanawul al-mayt an yamdi alayhi 3 ayyam. Et ce n'est pas une condition, ou n'est pas une condition pour manger la bête morte d'attendre 3 jours ou de ne pas trouver de la nourriture pendant 3 jours, comme peuvent le penser beaucoup de musulmans. Mais la règle est que quand il n'a d'autre choix et quand il est contraint, alors il lui est autorisé. Car certains disent que tu n'as le droit de manger la bête morte, même en cas de force majeure, qu'après 3 jours. Il faut que au minimum 3 jours soient passés pour que tu puisses consommer cette viande. Et les savants disent non, il n'y a aucune preuve dans cela. C'est ce que beaucoup de gens pensent qui est faux. Et la règle est que lorsque tu es contraint, tu manges. Que tu sois contraint le même jour, ou le lendemain, ou dans 3 jours, ou dans 4 jours, etc. Il n'y a pas de limite dans le temps. طيب يقول المؤلف الزكاة الشرعية le sacrifice islamique الزكاة الشرعية تعريفها الزكاة في الأصل معناها التطيب ومنه رائحة زكية أي طيبة وسمي بهذا الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيبا والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد. Quelle est la définition du sacrifice التذكية أو الزكاة؟ الزكاة dans la base, c'est-à-dire dans la langue arabe, signifie التطيب, signifie le fait de se parfumer. ومنه رائحة زكية, d'où la phrase une odeur zakiya, c'est-à-dire une bonne odeur. Et le sacrifice, c'est-à-dire l'égorgement, est appelé ainsi car en égorgeant une bête, nous la rendons licite islamiquement. C'est-à-dire que en l'égorgeant, cette bête devient bonne à la consommation. Et le but, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire par le sacrifice, c'est-à-dire d'égorger une bête, un animal, ou nahr, ou un nahr. Qui connaît la différence entre dhabh et nahr? Les savants disent, dhabh, qat'u, a'la al-raqaba. Les savants disent que الذبح, c'est le fait de couper le haut du cou, et النحر, c'est le fait de couper le bas du cou. Et الذبح, toutes les bêtes, tous les animaux doivent être égorgés, c'est-à-dire au-dessus de, dans la partie supérieure du cou. Sauf quel animal? Le chameau, qui lui doit être, on doit faire un nahr, qui est le fait de couper le bas du cou. C'est pour ça que vous voyez lorsque l'on tue un chameau, si vous avez déjà vu ça ou pas, le cou du chameau est long. À un moment, il y a une espèce de courbe. Et c'est au niveau de cette courbe qui coupe, c'est-à-dire tout en bas du cou. Ils égorgent ou ils vont mettre? Il tranche le bas du cou. Et comme le cou du chameau est extrêmement long et qu'il s'arrête au niveau de la courbe, il tranche à cet endroit-là. Vous pouvez voir si ceux qui veulent regarder, il y a des vidéos sur internet sur ça où ils montrent, vous tapez Nahr al-Ibil ou Nahr al-Jamal, vous allez voir, ils montrent des vidéos comment faire pour égorger des chameaux. Donc c'est la différence entre un Nahr et. Donc c'est le fait de faire un zabh, d'égorger, c'est-à-dire en faisant le dhabh ou bien le nahr. فَإِنَّ الْحَيْوَانَ الَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْهُ إِلَّا بِالتَّذْكِيَةِ. Les animaux donc qu'il est autorisé
de consommer, il n'est autorisé de les consommer qu'après les avoir sacrifiés. Ma'ada as-samaku wal-jarad. Et ceci hormis le poisson et le criquet. Man tahillu dhabihatuhu. تحل زكاة كل مسلم وكتابي ذكرا كان أو أنثى. L'égorgement ou le sacrifice de qui est-il autorisé de consommer? Il est autorisé le sacrifice de tout musulman ou de toute personne parmi les gens du livre, que ce soit un homme ou une femme. قال تعالى الله عز وجل دي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. الله عز وجل دي vous est permise la nourriture des gens du livre. Et البخاري رحمه الله دي عبد الله بن عباس دي leur nourriture, c'est-à-dire celle qu'ils ont égorgée. Leur nourriture, c'est-à-dire la nourriture issue des animaux qu'ils ont égorgés. Wa an Ka'b ibn Malik anna imra'atan dhabahat shatan bihajar fa su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an dhalika fa amara bi akliha. Et selon Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il dit qu'une femme a égorgé une brebis avec une pierre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur ceci et il a ordonné de la consommer. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Donc il est autorisé de consommer la viande ou la chair ou les animaux qui ont été sacrifiés par un musulman ou par une personne parmi les gens du livre qui sont les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Les juifs et les chrétiens. Et les mages n'entrent pas dans les gens du livre. Les mages, les adorateurs du feu, n'entrent pas dans les gens du livre. Et comment répondre à ceux qui disent pourquoi interdisez-vous la viande sacrifiée par les majous, par les mages, alors que vous acceptez de la jizya? Hein? Qu'est-ce que la jizya? C'est que l'al-kitab, c'est ce que tu demandes, c'est un impôt que tu demandes à l'al-kitab pour qu'il puisse pratiquer la religion. Non, al-jizya, c'est un impôt que tu demandes aux non-musulmans pour qu'ils payent afin de rester dans le pays musulman. Mais al-jizya, est-ce qu'elle est propre à al-mushrikin? Non, elle est propre à al-kitab. Est-ce qu'elle est propre à al-kitab? C'est ce qu'il dit là, quand même. Il s'est dit min ahl al-kitab. À quel hal, il y a des hadiths qui autorisent al-jizya pour les al-majous, et les savants ont déduit qu'il est autorisé al-jizya pour tous les mushrikin et que ce n'est pas propre à al-kitab. Donc il ne faut pas mélanger le sujet de al-jizya et le sujet de dhabh. Concernant al-dhabh, les savants ont dit quels sont ces gens du livre. Est-ce que c'est le chrétien qui a pour père et pour mère chrétien, ou est-ce que même s'il a des parents non chrétiens et qu'il s'est converti au christianisme, cela est considéré comme étant une personne parmi les gens du livre? Il y a une divergence de savants, et Rajih, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, c'est que à partir du moment où lui est chrétien ou juif, il est autorisé de consommer la bête qu'il a égorgée, même si ses parents sont athées, même si l'un est athée et l'autre est bouddhiste ou autre. À partir du moment où lui est chrétien, qu'il est chrétien depuis son enfance ou qu'il s'est converti au christianisme, dans tous les cas, il est autorisé de consommer sa viande. Et les savants disent aussi que tout chrétien et tout juif est chrétien et juif tant qu'il le prétend. Car certains disent, mais les juifs d'aujourd'hui ne sont plus les juifs d'auparavant. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus les chrétiens d'auparavant. Et ils adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, Azza wa Jal.
Qu'est-ce que nous leur répondons? Alors, Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit dans le Coran, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha? Ils ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah est trois. Allah est le troisième des trois. Inna Allaha thalithu thalatha. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Il n'y a de vraie divinité qu'une seule et unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jalla a attesté dans le Coran que les chrétiens sont des koufars, sont des non-musulmans, des mécréants, car ils ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc dans l'égarement et ne sont pas comme devaient être ceux qui ont suivi Isa alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal, dans la même sourate, qu'est-ce qu'il a dit? وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Dans la même sourate qui est sourate Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal a dit: et la nourriture des gens du livre vous sont licites. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est adressé et lorsqu'il a révélé ce verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chrétiens et les juifs étaient déjà égarés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur Bible était déjà falsifiée, leur Torah également. D'accord ? Donc, ils étaient déjà sortis de la vérité. Ils sont entrés dans la mécréance, mais Allah Azza wa Jalla les a quand même considérés comme des gens du livre. Voilà, c'est pour cela que les savants disent que le seul que tu ne considères pas comme juif et chrétien, c'est celui qui se désavoue. Celui qui dit: moi je ne suis ni juif ni chrétien. Lui, tu ne le considères pas comme un chrétien ni un juif, et s'il égorge une bête, tu ne la consommes pas. Ensuite, il y a la divergence des savants: est-ce que il y a la condition qu'ils doivent dire Bismillah ou pas? Ou est-ce que c'est le simple fait qu'ils égorgent? Là, il y a une divergence des savants. Certains savants considèrent que même s'ils ne prononcent pas le nom d'Allah, qu'il est autorisé de consommer leur nourriture, car comment leur demander de dire le nom d'Allah alors qu'ils n'y croient pas? Et d'autres savants ont dit non. Comment rendez-vous interdit la viande d'un musulman qu'il a égorgé sans prononcer le nom d'Allah, et que vous rendez licite la viande d'un non-musulman qui lui ne prononce pas le nom d'Allah? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, spécifique aux musulmans. Le musulman, il est au-dessus du non-musulman. Il est plus respecté, il est plus sacré, il est plus... Donc c'est les deux avis des savants. Taïb. Ensuite, il y a le hadith de Ka'b ibn Malik qui dit qu'une femme a égorgé au temps du prophète sallam une brebis avec une pierre. Et le prophète sallam a été questionné sur ceci et il a ordonné de la manger. Les savants ont déduit beaucoup de fawaïd sur ce hadith, certains plus de 10. La première chose que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il est autorisé d'égorger avec une pierre, à condition que quoi? Que la pierre soit tranchante. À condition que la pierre soit tranchante. On en déduit également de ce hadith qu'il est autorisé à une femme d'égorger. Car ici, qui a égorgé? C'est une femme. Car certains peuvent se poser la question: mais attends, tu manges, c'est une femme qui a égorgé cette bête. Et alors? Alors, elle a le droit. Également, il est autorisé, comme les savants ont dit, d'égorger et de manger la bête égorgé par une femme qui a ses monstrues. Et également, de manger la viande, de consommer la bête qui a été égorgée par un homme en état de grande impureté. Quelle est la preuve? Non, la preuve, c'est que le professeur, il a été dit au professeur Sallam qu'une femme a égorgé. Sans dire, c'est une femme qui a ses monstrues ou non.
Et si c'était interdit, le professeur Asselam l'aurait dit. Car il y a la règle, la yajouzu esh. La yajouzu ta'khir ul bayan ma al haja. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit de retarder l'explication d'une chose lorsque l'on en a besoin. Et souvent, on utilise cette règle pour dire que, par exemple, dans ce hadith, si il était interdit de consommer la viande d'une femme qui s'est menstruée, le professeur Asselam n'aurait pas manqué de le dire. Car il n'est pas concevable de retarder ou de dire une information qui est importante au moment où on la pose et selon le contexte bien précis. D'accord ? Donc là, il y a le ta'khir au bayan ma'a al-haja. Et également, les savants l'ont déduit de ce hadith qu'il est autorisé de, comment dire, il est autorisé à celui à qui on a confié quelque chose de prendre des décisions. Et pour comprendre cette faïda des savants, il faut connaître le contexte de ce hadith. Le contexte de ce hadith, c'est qu'une femme, une jeune fille, à Médine, s'occupait de son troupeau de brebis ou du troupeau de brebis de son maître. Et un loup a attaqué le troupeau de brebis et a commencé à en dévorer une. Et cette jeune fille est venue avec une pierre et a égorgé cette bête avant qu'elle ne meure. Et le professeur Hassan ne l'a pas reprise. Et les savants ont déduit que lorsqu'on te confie quelque chose, c'est-à-dire ici dans le cas précis, on a confié à cette femme un troupeau de brebis, et une brebis a été dévorée, elle l'a égorgée sans en demander l'autorisation de son propriétaire. Mais elle a fait cela pour le bien de cette brebis et aussi pour le bien de ce propriétaire qui va pouvoir, même si cette bête a été attaquée par un loup, pouvoir profiter de la viande. Et savants l'ont déduit également que ce qui a été atteint, une bête qui a été atteinte, qui a été dévorée ou attaquée par une bête, qu'il est autorisé de, ou le fait de l'égorger avant qu'elle ne meure, rend cette viande licite. Et également, on en déduit la piété des compagnons lors de leur anhum, qui lorsqu'ils ont vu cela, ne sont pas, ils n'ont pas consommé cette viande, mais ont préféré demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alat al-dhabh, les moyens utilisés pour égorger, ou les outils à utiliser pour égorger. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. Il est autorisé de sacrifier avec tout ce qui blesse, sauf les dents et les ongles. Sauf les dents et les ongles. عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم. حديث متفق عليه. Selon عباية بن رفاعة, son grand-père qui dit, j'ai dit au envoyé d'Allah, nous n'avons pas de couteau. ليس لنا مدى. فقال, et le professeur a dit, ما أنهار الدم وذكر اسم الله فكل. Celle dont le sang a giclé et sur lequel le nom d'Allah a été prononcé, alors mange. ليس الظفر والسن. ليس بمعنى إلا. Laïsa bima'na illa, sauf les ongles et les dents. Et le professeur Hassan m'a dit, ma anhara dama,
ce qui fait gicler le sang. Ce qui fait gicler le sang, c'est-à-dire quel que soit le moyen que tu utilises pour trancher la gorge de l'animal. Que ce soit une pierre, que ce soit une lame, que ce soit un bout de bois, que ce soit un bout de verre, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent. Quel que soit le moyen que tu utilises, mais qui fait gicler le sang, c'est-à-dire qui tranche la gorge de la bête, alors, et que le nom d'Allah a été prononcé, alors mange. Sauf les dents et les dhufru, c'est-à-dire les ongles et les dents. Et dans un autre hadith, le prophète m'a dit, et je vais te dire pourquoi. Amma al-dhufru, quant à l'ongle, famoud al-habasha, c'est le couteau de al-habasha. Qui sont al-habasha? Les Éthiopiens. À l'époque de les gens de l'Abyssinie, l'Éthiopie actuelle. Quant aux ongles, c'est le couteau des habasha. Pourquoi? C'est-à-dire quoi, c'est le couteau des habasha? C'est-à-dire qu'ils égorgeaient leurs bêtes avec leurs ongles. Ils laissaient pousser leurs ongles et avec leurs ongles, ils égorgeaient leurs bêtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler aux mouchriquins, aux non-musulmans, et également dans ce cas qui est le fait d'égorger avec ses ongles. Et également, aussi, car en islam, il nous est interdit de laisser pousser nos ongles au-delà de 40 jours. Au-delà de 40 jours, il est interdit de se laisser pousser les ongles. Il faut les couper au minimum une fois tous les 40 jours. Et également aussi, car le fait d'égorger avec un ongle, est-ce que les ongles sont tranchants? Non. Donc tu risques de porter atteinte en plus à la bête. وَأَمَا السِّنُّ et quant aux dents فَعَظْمُن et quant aux dents ce sont des os. Quant aux dents ce sont des os. Donc pourquoi est-ce qu'il est interdit d'égorger avec une dent? Les savants disent que ce soit des dents, c'est-à-dire qui se suivent, ou une dent yani toute seule, isolé. Car certains peuvent dire, moi je prends une dent, la dent de je ne sais pas quel animal, qui est tranchant, et les savants, et c'est vrai, certains savants ont interdit le fait de dégorger avec les dents qui se suivent. Mais quand tu prends une dent toute seule, c'est comme un outil. Et les savants ont dit non, le professeur Hassan a interdit d'égorger avec les dents, car le professeur Hassan a donné la cause qui est, car c'est un os. Et pourquoi est-ce que le fait que ce soit un os vous interdit de dégorger avec? Non. Car, comme le dit le Prophète, car les os sont la nourriture pour vos frères, les djinns. Et lorsque tu manges une pâte, par exemple, de brebis ou autre, et qu'il ne reste que l'eau, les djinns peuvent la consommer et elle sera recouverte de viande encore. D'accord? Pour cela que le prophète sallam nous a interdit de faire l'istinja avec des eaux. De faire l'istinja avec des eaux. Yani de se laver après avoir fait ses besoins avec des eaux. Cela est interdit car les eaux sont la nourriture des djinns. Et pourquoi est-ce que c'est interdit d'égorger avec? On sait qu'il est interdit de faire l'istinja, car le fait de se nettoyer avec après avoir fait ses besoins, cela va recouvrir cet os d'impureté, donc va empêcher les djinns musulmans de consommer la viande qui sera autour. Mais égorger, le sang qui va gicler, on avait vu que c'était un sang impur. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, rijsun, c'est une souillure. Donc le fait d'égorger avec un eau, eh bien, cet os va être taché de ce sang,
impure et empêchera nos frères parmi les djinns de consommer cette viande. Tayyib. Et le professeur Hassan a donc donné deux conditions. La première, c'est que le sang gicle et que le nom d'Allah soit prononcé. Qu'est-ce que le nom d'Allah ? Est-ce que ce sont tous les noms d'Allah ? Ou est-ce qu'il faut prononcer et dire Bismillah ? Certains savants disent qu'il faut dire Bismillah. Et d'autres savants ont dit qu'il est autorisé de dire quelques autres noms, mais le principal, c'est qu'il faut que ce soit un nom qui ne peut être propre qu'à Allah. Et les noms qui ne sont propres qu'à Allah Azza wa Jal, on avait vu qu'il y avait Allah, mais qu'il y avait aussi Ar-Rahman. Ar-Rahman, c'est un nom qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains savants ont autorisé de dire Bismillah ar-Rahman, ou Bismillah ar-Rahman, ou bien de dire Bismi Rabbil Alamin, au nom du Seigneur des mondes. Et d'autres savants ont dit non, il faut dire Bismillah, c'est-à-dire d'utiliser le nom Allah, qui est le nom premier d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne désigne que lui. Et ainsi a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a égorgé, il a dit Bismillah wallahu akbar. Les savants ont déduit donc que le fait de prononcer le nom d'Allah lorsque tu sacrifies une bête, c'est une condition. C'est une condition pour que cette bête soit licite. Et est-ce que la condition est levée lorsqu'il y a un oubli ou une erreur ? Celui qui égorge, et après avoir égorgé, il a oublié de prononcer le nom d'Allah. Est-ce que la viande est licite ou elle est illicite? Il y a une divergence là-dessus ou pas? Il y a une divergence. Il y a une divergence. C'est la vie qui ressort le plus. Et quand on dit condition, les savants disent Al-Shart la yaskoto bil-jahli wal-khata wal-nisyan. Celui qui fait sa prière sans avoir fait ses ablutions, qu'est-ce qu'on lui dit? Tu recommences. Mais il va te dire, mais pourquoi est-ce que tu me demandes de recommencer? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Rabbana la tu'akhidna, inna sina akhtarna. Allah ne nous prend pas dans les oublis et l'erreur. Pourquoi tu me demandes de recommencer alors qu'Allah Azza wa Jalla m'a pardonné? Si vous voulez répondre. La condition, elle est au même titre que le pilier, sauf qu'elle est en dehors de l'acte. Si le pilier est absent, l'acte est perdu. Non, mais là, quelle est la preuve que le fait d'oublier, tu dois recommencer ta prière, sachant qu'il a utilisé le verset où Allah Azza wa Jalla ne prend pas en compte l'oubli et l'erreur. Ça concerne quoi? C'est pas de la sahaba quand il est rentré dans la mosquée, le Nabi Sassan, il l'a vu par la prière, il a dit « j'ai repensé à lui ». La personne avait commis une erreur, pourtant le Prophète Sassan, il a dû recommencer. Non. On peut utiliser cette preuve, mais comment répondre à ce verset? Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Allah ne nous prend pas en compte lorsque l'on fait une erreur, c'est-à-dire lorsqu'on fait quelque chose et qu'on a fait une chose interdite sans le vouloir, d'accord, sans faire exprès, ou par oubli. C'est une erreur, tu ne peux pas rattraper. Est-ce que c'est un péché de prier sans faire les ablutions? C'est un péché ou pas? Ouais, donc c'est un péché de prier sans faire ses ablutions. Non seulement ta prière n'est pas acceptée, mais en plus tu as fait un péché. Sauf quand tu as oublié ou quand tu as fait une erreur. Dans ce cas, le fait d'avoir prié sans les ablutions, ce n'est pas un péché pour toi. Mais est-ce que ça t'exempte de ne pas refaire la prière? Non. Ta prière, tu dois la refaire, car le prophète a dit « La salata illa bitohur ». Il n'y a point de prière sans purification.
Donc, quand tu n'as pas fait tes ablutions, soit par oubli, ou soit par erreur, et que tu fais ta prière sans tes ablutions, soit par oubli, soit par erreur, ta prière n'est pas valable. Et tu dois là, la recommencer. Et le verset d'Allah Azza wa Jal vient pour te dire que tu n'as pas fait de péché en ayant prié sans tes ablutions. Justement, pour une bête. Pour une bête, est-ce qu'il est... Est-ce que c'est un péché d'égorger une bête sans prononcer le nom d'Allah? C'est pas un péché. Non, en oubliant. Moi, je ne parle pas de oublier et pas oublier. La question, c'est est-ce qu'il est... Est-ce que c'est un péché d'égorger une bête sans prononcer le nom d'Allah? La réponse est et oui. Sauf pour celui qui a oublié ou pour celui qui ne le savait pas ou qui a fait une erreur. Dans ce cas, pour lui, ce n'est pas un péché. Mais la bête qu'il a égorgée, est-ce qu'elle est licite ou pas? Si c'est une condition, la condition n'est pas remplacée par un oubli ou par une erreur. Donc la bête, tu la jettes au chien. Il y a pas un khilaf là-dessus. Il y a un khilaf, mais si tu considères que la viande, que la tasmiya c'est un chat, car c'est là où il y a le khilaf, certains ne considèrent pas la tasmiya comme étant une condition, ils considèrent comme étant une obligation, et non pas comme une condition. Mais en considérant que c'est une condition, le fait d'oublier ou de se tromper ne justifie pas. Donc il faut faire bien attention. Et celui qui égorge avec un ongle ou une dent, est-ce qu'on a le droit de consommer la viande avec une dent ou avec un ongle? Non. Les savants disent non. C'est pas un chat. Non. C'est un chat ou pas? Illa sinna wa dhuhur. C'est-à-dire que tu as le droit de consommer la viande, la bête, la viande de la bête dont le sang a giclé et dans lequel le nom d'Allah a été prononcé, sauf les moyens que tu auras utilisés pour trancher la gorge de cet animal étant une dent ou un ongle. Dans ce cas, tu n'auras pas le droit de la consommer. Wa al-Shaddad ibn Aws qala thimtani hafidtuhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي وابو داود. Et selon Shaddad ibn Aws, il dit deux choses que j'ai appris du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم qui sont: Allah, il y a deux choses que j'ai entendues du professeur sallam qui a dit, lorsqu'il a dit le professeur sallam, Allah a ordonné et a prescrit la bienfaisance dans toute chose. Lorsque vous tuez, soyez bienfaisant dans le fait de tuer. Et lorsque vous égorgez, égorgez de façon bienfaisante, et que l'un d'entre vous aiguise son couteau, et qu'il soulage sa bête, la bête qu'il sacrifie. Dans ce hadith de Shaddad ibn Aws, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jal a ordonné, a prescrit la bienfaisance dans toute chose. فَإِذَا قَتَلْتُمْ, lorsque vous tuez, les savants ont dit al-qatlu فِيمَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a parlé de tuer et a parlé de dégorger. On parle de tuer lorsqu'il s'agit d'une bête qui nous est interdite de consommer, et on parle d'égorger concernant une bête qui nous est interdite de consommer, qui nous est autorisée à la fois. On parle de dhabh concernant une bête qui nous est autorisée de consommer. Donc, si par exemple tu es attaqué par un animal qui nous est interdit à la consommation,
comme un lion par exemple, ou un tigre, ou un chien, et que tu es amené à le tuer, il faut le tuer. Il faut le tuer comment? Il faut le mutiler. Sans trop souffrir. Hein? Il faut le tuer de la meilleure des façons. C'est-à-dire de le tuer de la meilleure des façons, sans le mutiler ou sans le... sans essayer de le torturer ou autre. Et lorsque vous égorgez, égorgez aussi également de la meilleure des façons. C'est-à-dire, et le professeur Sam a expliqué ensuite, que l'un d'entre vous, lorsqu'il veut égorger, qu'il aiguise son couteau. Qu'il aiguise son couteau, car le fait de, d'égorger avec un couteau aiguisé permettra de dégorger cette bête de la meilleure des façons. Et qu'il soulage sa bête. Qu'est-ce que ça veut dire soulager sa bête? Qu'il lui parle la souffrance. Comment? En le faisant vite. En égorgeant de façon rapide, de façon brève, de mettre un coup violent ou fort qui permet en un seul coup de trancher la gorge de cet animal. Et on avait vu la semaine dernière que égorger un animal, c'est-à-dire il y a quatre choses à trancher. Il y a les deux veines jugulaires, il y a la tranchée et il y a la trachée à la fois. Il y a la trachée et il y a l'œsophage. Donc il y a la trachée, c'est la voie respiratoire. Il y a l'œsophage qui est la voie où les aliments transitent. Et il y a les deux veines jugulaires qui sont à droite et à gauche de la trachée. Qui sont à droite et à gauche de la trachée. Et comme on l'a vu la semaine dernière, il y a une divergence des savants. Certains ont dit il faut trancher les quatre. D'autres ont dit il faut trancher au moins trois parmi les quatre. D'autres ont dit il faut trancher un seul suffit. À la coulée hal, la vie le plus sûr, c'est qu'il faut trancher au minimum les veines jugulaires. Sachant qu'en tranchant les veines jugulaires, la plupart du temps, cela implique que à la fois la tranchée et l'œsophage soient coupés également. D'accord? Et ce qu'il faut retenir, c'est que le professeur Sam a dit, lorsque le sang gicle, et le sang ne peut gicler que lorsque les veines jugulaires sont tranchées. Le veine ne peut gicler que lorsque les veines jugulaires sont tranchées. Falyurih dhabihata, qu'il soulage sa bête, c'est-à-dire qu'il, lorsqu'il égorge, qu'il le fasse de façon forte, brève et rapide. Et également, parmi les choses qui entrent dans le soulagement de la bête, le fait de ne pas casser sa nuque, ni de dépecer cette bête avant qu'elle ne meure. Et également, parmi les choses qui permettent de soulager la bête, c'est de ne pas l'attacher lorsqu'on l'égorge. De ne pas lui attacher les pieds, les pattes. D'accord ? Et si tu as la possibilité de laisser ces quatre pattes libres. Et les savants disent pourquoi ? Car cela permettra au sang de mieux s'écouler. Et le professeur Hassan a fait ainsi. Lorsqu'il a égorgé, le professeur Hassan a posé son pied sur le cou, il a soulevé la tête et a égorgé sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Il n'a pas tenu ni attaché les pattes de cet animal, sauf bien sûr si c'est un animal qui est excité, qui s'avère dangereux. Dans ce cas, s'il y a la possibilité ou le besoin d'attacher une de ses pattes ou les deux afin de limiter les dégâts, alors cela est autorisé. D'accord ? ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.